Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Et bonjour, bienvenue à tous pour un nouveau débat du jour sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir pour la deuxième fois sur la chaîne Laurent Mucchielli. Alors avant toute forme de débat, cher Laurent, comment allez-vous ? Ah bien, bonjour, merci beaucoup Rémi, je vais bien, vous aussi j'espère, si j'en crois votre succès, apparemment oui. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, on est toujours au rendez-vous, Juste Milieu grandit, on continue à réfléchir, se creuser la caboche et ricaner. Et aujourd'hui, voilà, on va surtout se creuser la caboche grâce à vous, avec vous cher Laurent Mucchielli. Comme je l'ai dit, voilà, on s'était déjà rencontré en format débat en août 2021. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé en à peine quelques mois et ça va être l'occasion parfaite d'avoir votre regard sur ces récentes évolutions, sur tout ce qu'il s'est passé et ce qui se passe encore actuellement dans notre pays et ailleurs dans le monde. On est parti pour une heure d'échange, de réflexion. Et avant toute chose, parce que là, la réflexion, vous en proposez à l'appel dans un nouvel ouvrage, La Doxa du Covid, tome 1, Peur, Santé, Corruption et Démocratie aux éditions Éolienne. Alors, je tenais absolument à en parler parce que ce sera le complément parfait de l'échange qu'on va avoir aujourd'hui pour découvrir votre pensée, votre regard par rapport à ce que nous vivons. Et voilà, en quelques mots, parce que c'est vrai que vous avez été un acteur médiatique majeur de ce qu'il s'est passé, notamment sur vos prises de position par rapport au professeur Raoult et autres positions. Et ce livre est un peu le fruit de toute votre réflexion. Alors, en préambule de notre échange, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des origines de cet ouvrage, ce qui vous a poussé à condenser cela dans un premier tome, combien il va y avoir de tomes, et voilà, nous donner des informations sur ce livre pour les lecteurs qui seraient intéressés. Bien sûr, merci. Alors, bon, la première chose qu'il faut dire, c'est que je ne fais pas partie du groupe de gens qu'on va voir arriver au fil des mois et qui vont être très nombreux, hein, qui sont les gens qui n'ont pas fait grand-chose et qui arrivent à la fin pour distribuer les bons et les mauvais points. Bon, moi, j'ai certainement pas dit que des choses intelligentes, mais par contre, il y a certaines choses que je fais depuis le début et des sujets sur lesquels j'essaie de tenir la même ligne depuis le début. Donc, c'est-à-dire depuis mars 2020. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis abonné au journal Mediapart quasiment depuis les origines, et j'ai un blog, comme tous les abonnés peuvent le faire, et c'est là que j'ai publié depuis une dizaine d'années des petits billets de temps en temps, d'actualité, etc. Voilà. Quand arrive le Covid, à partir du moment où je décide d'enquêter là-dessus, pour les raisons qu'on a dites lors de notre dernière émission, hein, tout ce que je trouvais pas normal qui se passait, dès que j'ai envie de commencer à publier des choses, je le fais sur ce blog. Donc ça a commencé, et puis c'est devenu, c'était pas prévu au départ, mais comme j'ai été rejoint par beaucoup de gens qui m'ont écrit pour dire mais on pense comme vous, en tout cas il faut creuser, machin bidule, petit à petit comme ça, j'ai commencé à publier ce que j'ai appelé des épisodes, et il y en a eu 70, avec qui ont associé au total 46 autres personnes, qui sont quasiment toutes des universitaires et ou des médecins. Voilà. Et donc au bout d'un moment, j'ai eu envie de graver tout ça non pas dans le marbre, mais dans le papier d'imprimerie. Et donc c'était parti pour être un très gros volume qui serait une espèce de best-of de cette enquête. Et puis j'ai commencé à écrire une introduction générale pour donner quand même une espèce de synthèse, de perspective globale. Et au fil de l'écriture, comme c'est devenu beaucoup plus gros, mon éditeur m'a suggéré de faire deux tomes. Donc ce qui sort aujourd'hui, c'est mon introduction générale que je veux didactique, dans un petit livre, pas cher, voilà, pour qu'un maximum de gens puissent s'approprier ce travail critique. Et il y aura, au début du mois de mars, un tome 2, qui lui sera le best-of de ces 70 épisodes-là, avec, j'en ai gardé 40, avec 30 auteurs, et ça sera là, par contre, un gros livre qui reprendra, voilà, les meilleurs moments de cette enquête. Ben écoutez, chers spectateurs de Juste Milieu, voilà, si vous voulez aller plus loin à l'issue de ce débat, le lien sera dans la description de la vidéo. Ah, on a en direct l'aléa du direct. Excusez-moi, il fait un peu chaud. je vis dans le sud, excusez-moi, là-haut dans le nord. Oh, tout de suite, les conflits régionaux, s'il vous plaît. En tout cas, voilà, pour découvrir cet ouvrage, le lien sera dans la description. On peut passer commande sur Internet, sur le site de votre éditeur, hein, c'est bien ça. Alors oui, c'est un petit éditeur qui n'a pas le grand réseau de diffusion nationale avec les gens qui vont démarcher les librairies, monter des stands, des machins, tout ça. Pour avoir le livre, il faut tout simplement aller le commander chez son libraire. C'est le meilleur moyen, c'est ce qui fait vivre aussi les librairies, et c'est le meilleur moyen du coup d'attirer aussi l'attention des libraires sur ce livre. Et évidemment, si pour une raison ou une autre
On peut aussi le commander évidemment sur toutes les ventes en ligne, que ce soit en version papier ou en version e-book, e-pub, je sais plus quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, voilà, on va se confronter aujourd'hui à vos réflexions, à votre regard que l'on retrouve dans cet ouvrage et que l'on retrouvera dans le futur tome. Et pour aller tout de suite dans le vif du sujet, alors j'aimerais commencer avec vous, cher Laurent Mukeli, sur cette tendance qui pourrait redonner un petit peu d'espoir, même s'il faut rester prudent. On a vu l'Espagne qui commence à parler du Covid-19 comme d'une maladie endémique avec laquelle il faudrait vivre. On a vu le Premier ministre britannique Boris Johnson qui a levé quasiment toutes les mesures, voire toutes les mesures. On a vu le rejet de l'obligation vaccinale pour les employés aux États-Unis, ce qui concerne plus de 60 millions d'employés. Alors, première question, elle n'est pas évidente. Pourquoi la France s'évertue dans le sens du pass vaccinal qui a été définitivement accepté par le Conseil constitutionnel il y a quelques jours? Qu'est-ce qui se passe alors que dans certains endroits du monde, on a l'impression de voir le bout du tunnel? En France, on a toujours la tête dedans. Vous commencez avec une grosse question. Il n'y a pas d'entrée en matière, là, c'est direct au plat de résistance. Ah, non, bah, vous avez raison. Faut... Droit au but, comme disait l'autre. Mais... Effectivement, la France, c'est pas la seule, mais il y a quelques pays, en particulier de quelques pays occidentaux, de toute façon, évidemment, hein, dont on voit que c'est comme s'ils étaient partis dans une ligne droite, avec des œillères comme les chevaux des anciennes calèches là, et qu'ils ne savaient que avancer toujours tout droit. Voilà. Et quand on s'arrête jamais, on fait jamais un bilan, on reconnaît jamais qu'on a pu faire une erreur. D'ailleurs, on se donne même pas les moyens de le reconnaître. Alors, on continue toujours devant, en répétant toujours je sais où je vais, c'est moi qui ai raison. Vous ne savez pas, taisez-vous. Et je sais pour vous. Voilà. Et même si vous êtes pas d'accord, je le ferai à votre place. Je vous obligerai à le faire malgré vous. Enfin voilà. Bon, ok, on voit ça en France. On voit ça à certains égards en Italie aussi. On en voit la tendance évidemment dans beaucoup d'autres pays. Si on regarde la façon dont sont érigés en bouc émissaire collectif les non-vaccinés, on se souvient tous des déclarations des responsables politiques autrichiens. Enfin voilà, donc il y a plein de pays comme ça. Mais c'est vrai qu'en France, la clôture du débat public, donc c'est pas seulement le débat politique, c'est un des éléments du débat public, le débat politique, c'en est un. Donc il est déjà lui-même très clôturé au fond. Hein, alors plus largement le débat public, qui inclut cette fois, bien sûr, l'ensemble des médias et l'ensemble de toutes les formes d'influence qui existent aujourd'hui sur Internet, les réseaux sociaux, tout ce que pilotent les géants du numérique, hein, qui jouent un rôle quand même très important aussi dans cette crise, à la fois parce que d'un côté, ils nous disent ce qu'il faut penser en triant les contenus, et de l'autre, ils censurent les contenus qui leur conviennent pas. Donc, quand à la fois on vous dit ce qu'il faut penser, puis en même temps on vous empêche de penser autre chose, c'est clair que vous ne pouvez que avoir vous aussi ces œillères et avancer toujours tout droit, parce que vous n'avez pas accès au fond à une quelconque dimension contradictoire, à une quelconque mise en réflexivité. Ce qui évidemment pour un scientifique est juste aberrant. C'est juste aberrant. Je veux dire, ça ne peut pas fonctionner. Hein. C'est l'antithèse. La science, par définition, c'est la vérité provisoire, c'est la chose qu'on peut vérifier, c'est l'expérience qu'on peut refaire, etc. C'est tout sauf foncer toujours tout droit devant en disant j'ai raison et qui même me suit. Enfin, ou qui me suit pas meurt. Enfin bon, c'est aberrant. Donc c'est vrai. Il y a ça en France. Je pense que il faut le coupler à ce que je rappelle aussi dans plusieurs passages du livre. Le dernier mot du sous-titre, hein, Thomas, c'est démocratie. Donc ça dit bien qu'on va parler de ces enjeux-là. Et j'estime qu'une des dimensions, hein, que révèle cette crise, les crises n'inventent rien, hein, mais elles mettent à jour les véritables tendances, les choses qui structurent la société, ce sont des révélateurs. Les crises sont des révélateurs. C'est pour ça que c'est très important de les étudier. C'est pas des exceptions avant que reprenne le cours normal qui seul nous intéresse. Non. Les crises sont des révélateurs extrêmement importants, y compris pour mettre en évidence des phénomènes qu'on voit moins lorsqu'on est précisément en temps dit normal. Bon, donc sur le plan démocratique, quand on prend tout en compte tous les critères, le fait d'être en état d'urgence quasi permanent depuis 2 ans sur le plan institutionnel, qui vient s'ajouter à par ailleurs un régime politique, un régime juridique, c'est une constitution qui est particulière en France. La plupart des autres pays occidentaux sont des démocraties parlementaires. En particulier l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des démocraties parlementaires. En France, la Ve République, c'est ce que les constitutionnistes appelaient autrefois dans la lignée de Maurice Duverger un régime semi-présidentiel, qui avait été taillé à l'époque, en 58, pour le général de Gaulle, avec comme prétexte d'en finir avec l'ingouvernementabilité de la Quatrième République, hein, ou supposait-elle, les crises à répétition, l'instabilité chronique, etc. Et donc, il fallait stabiliser tout ça derrière un homme à poigne, etc., le général de Gaulle. Okay. Sauf qu'on se rend compte que, à l'expérience, évidemment, et c'est pas nouveau, hein, je veux dire, souvenez-vous, vous êtes plus jeune que moi, mais moi, quand j'étais petit, tout le monde se moquait du roi Mitterrand, hein, etc. Donc, c'est pas nouveau, évidemment. Et d'ailleurs, c'était drôle, puisque Mitterrand lui-même, c'était fondu dans tous les habits du président de la République avec les pouvoirs exorbitants qu'il a par rapport à une démocratie parlementaire en France, alors même que quand il était dans l'opposition avant, c'était le plus grand critique du général de Gaulle. Il avait écrit un livre qui s'appelle Le coup d'État permanent, d'où l'allusion que je fais dans mon livre, quand je parle du coup d'État d'urgence permanent. Hein, voilà, bon. Donc c'est pas nouveau, mais voilà, ça pose aussi, et à mon sens, si on voulait tirer les grandes leçons politiques sur le volet politique de ce que cette crise révèle, alors on relancerait d'urgence les débats sur la sixième République, pas telle ou telle petite réforme par-ci par-là, hein, mais les débats qu'il y a déjà eu à d'autres époques sur une sixième République qui nous sorte de ce présidentialisme quasi et un peu déguisé pour revenir à une séparation des pouvoirs beaucoup plus forte, telle que c'est l'esprit de la démocratie. Hein, on va pas reciter ici Montesquieu et les Lumières, ou encore l'article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 89, qui est une des petites phrases que j'ai mis en exergue de mon livre. Hein. Un État, je me permets de la citer, hein, c'est l'article 16 de la Déclaration de 1789. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Voilà. Ce sont des principes fondamentaux. Donc voilà, une des réponses, en tout cas, je prétends pas que ce soit la seule, mais une des réponses à votre question, pourquoi la France, hein, au-delà de toutes les formes de propagande utilisées, au-delà de tous les chantages, au-delà de l'analyse présente de la scène politique, évidemment, le fait qu'il n'y a pas vraiment d'opposition forte, ça encourage encore plus le pouvoir exécutif à se croire tout seul au monde et à faire ce qu'il veut, etc. Mais ça tient aussi à la structure même de nos institutions qui permettent des choses qui sans doute ne seraient pas permises dans d'autres pays. Et justement, sur cette question de contre-pouvoir, obligatoirement, on va aller vers la question du rôle des médias dans cette crise. Alors, je le rappelle, vous avez été en première ligne depuis vos prises de position, notamment au sujet du professeur Raoult et autres, ces prises de position sur Mediapart qui vous ont valu quelques éléments de censure par moment, le retrait, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, le retrait de quelques articles que vous aviez écrits sur votre blog. Donc voilà, vous avez été victime de censure, 4 articles, là, suite à ces positions-là. Et on sent aujourd'hui que ce couvercle qui avait été posé sur la marmite est doucement en train de se soulever. J'ai pris quelques exemples, hein, des derniers jours. Pas plus tard qu'hier, Nathalie Marquet, donc la femme de Jean-Pierre Pernaut, était sur le plateau de Cyril Hanouna en compagnie du professeur Raoult. Alors c'est vrai que là, la composition est un petit peu originale, mais ça s'est passé à la télé. Nathalie Marquet a évoqué en direct les 4 mini-AVC qu'aurait fait Jean-Pierre Pernaut suite à la vaccination. On a Cyril Hanouna toujours qui avait évoqué il y a une semaine, je crois environ, le fait que ses parents étaient allés dans un hôpital discuter avec un médecin qui leur avait ouvert les portes des réanimations et qui leur a dit « vous voyez, il n'y a personne ». Donc Cyril Hanouna qui a dit ça ouvertement à la télévision. On a la posture de l'inénarrable Martin Blachier qui, on a suivi sa trajectoire sur Juste Milieu, qui aujourd'hui a concrètement changé de camp, c'est tenté qu'il y ait des camps, mais qui, depuis que la question de la vaccination des enfants s'est imposée dans le débat, qui est ouvertement monté au front. Je pense par exemple aussi à un article de Marianne de cette semaine qui évoque que depuis le début de l'année 2022, on a environ 20% des patients qui sont comptabilisés positifs au Covid-19, sauf que ces patients ont été hospitalisés avec le Covid et non pas pour le Covid. C'est-à-dire que cette question des gens hospitalisés pour une toute autre raison que celle du Covid, ce qui fait mécaniquement gonfler les chiffres, cette question-là s'invite à peine maintenant dans les médias. Est-ce qu'il faut s'attendre à un prochain mea culpa de nos médias qui sont en train de retourner leur veste, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, ceux qui compteront les bons points à la fin, on l'espère, de cette crise, ou est-ce que le rôle reste encore ambigu
dans tout ça, et notamment dans la critique de la gestion sanitaire qui est faite par le pouvoir. Bon, je ne peux livrer que je ne peux livrer que des impressions et des hypothèses. Hein. Vous me demandez qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir. Il me paraît inévitable que tôt ou tard, comme dans beaucoup d'autres pays, hein, ainsi que vous venez de le rappeler, petit à petit, il y a des choses qui sortent. Et il y a un certain nombre de mensonges qui s'avèrent être des mensonges, et qu'il y a un certain nombre de gens qui commencent effectivement à modifier beaucoup leur position. Je suis persuadé que ça va se faire petit à petit. Je suis moins persuadé que ça se fera au grand jour et qu'il y aura beaucoup de gens qui auront le courage de faire ce qu'a fait un journal danois, par exemple, je crois, il y a 15 jours, son nom m'échappe, voilà, qui fait des excuses publiques à ses lecteurs, hein, en disant nous avons été intoxiqués par la propagande du gouvernement, on pourrait rajouter des industries pharmaceutiques, hein. Nous avons été intoxiqués, nous avons dramatisé indûment la situation, nous avons relayé sans vérifier parce que c'était au nom de la science, parce que ça nous était présenté comme la vérité évidente par un monsieur qui avait une blouse blanche et qui parlait au nom de son poste de médecin dans tel ou tel hôpital, etc. Voilà, je suis moins sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient le courage, hein, s'il faut à la fois de l'honnêteté et du courage pour faire ça. Et par ailleurs, problème qui renforce celui que nous évoquions précédemment, hein, à savoir le fonctionnement des institutions juridiques, problème qui renforce ça, c'est que en France également, enfin, je veux dire, les médias ont pas simplement été passifs, ils ont pas simplement subi la propagande politique ou industrielle, ils l'ont pleinement accompagné, mise en scène, amplifié, reprise à leur compte. Pendant presque 20 mois, hein, parce que les changements que vous évoquez, effectivement, ils sont récents. Donc, je pense que c'est le début de quelque chose de plus grande ampleur, mais qui va se faire souvent par la bande et pas en s'affichant, hein, parce que il faudrait reconnaître tellement d'erreurs. Moi, je reste encore aujourd'hui sidéré par ce que j'ai vu depuis 2 ans. Je veux dire que je me sais plus, peut-être je l'avais déjà dit la première fois, donc si c'est une répétition, je m'en excuse, c'est l'effet de l'âge. Mais quand j'étais étudiant, quand je me suis inscrit après le bac comme étudiant à la fac de droit, je me suis abonné au journal Le Monde pour être plus intelligent et pour avoir un niveau d'information qui soit autre que celui que j'avais d'une part à la télévision et d'autre part en écoutant la communication du gouvernement ou des organisations. Voilà. Et je me retrouve aujourd'hui à me dire, mais si je veux savoir quel est le contenu du discours politique, c'est-à-dire de la propagande politique du moment, il faut que je lise Le Monde pour ça. Pas pour le critiquer, mais pour le connaître, pour le savoir. C'est quelque chose qui est affolant pour moi, complètement affolant. Quand je vois l'attitude du journal Mediapart que vous évoquiez aussi, c'est quelque chose qui est affolant pour moi. Voilà un journal qui prétend par ailleurs défendre la liberté de penser ardemment, prétend défendre les lanceurs d'alerte alarmants, prétend faire une alliance avec les intellectuels critiques, toutes ces choses enthousiasmantes pour lesquelles je soutiens Mediapart depuis des années, hein, et qui se met lorsque précisément arrive un intellectuel critique qui lance quelques alertes, qui exerce sa liberté de penser, etc. On me censure, et quand je dis me, c'est on nous censure. Hein. 4 articles censurés qui incluent 8 auteurs. Il n'y a pas que moi. Je veux dire, on censure l'interview que je fais avec le professeur de microbiologie et de toxicologie à l'université de Bordeaux, Jean-Paul Bourdineau. Censuré, donc il y a un journaliste de Mediapart qui pense que il connaît les sciences biologiques et la toxicologie mieux qu'un professeur d'université qui fait ça depuis 35 ans. Ben, c'est hallucinant. C'est juste hallucinant. De même qu'ils censurent un professeur de droit de l'université de Gênes. Enfin, bref, voilà. Donc il s'est passé des choses qui sont tellement contradictoires. Ben, les gens ont un comportement tellement contradictoire avec ce qu'ils revendiquent par ailleurs comme valeur, que ça pose un gros souci. Et je me permets d'interpeller les quelques organisations il y a un syndicat national des journalistes, il y a des organisations professionnelles, il y a des gens qui réfléchissent à ça, de même qui réfléchissent à l'éthique, etc., dans des écoles de journalisme, enfin, où j'espère en tout cas qu'il y en a. Il est urgentissime de tirer les leçons de là ce qui se passe. Si on veut être encore un minimum, un tout petit peu armé intellectuellement
pour les prochaines, crises, parce que sinon, ben, je veux dire, le journalisme, c'est plus du journalisme, c'est devenu de la communication. Les journalistes ne sont plus des journalistes, ils sont devenus des communicants. Ils communiquent une information qui n'est pas la leur, qu'ils n'ont pas produit. Ils répètent ce que d'autres ont dit. Donc ils deviennent la voix de leur maître. La bonne question devient qui est le maître, qui leur parle. Bon, ben, c'est pas possible, ça pose là aussi un problème démocratique majeur, un problème par ailleurs déontologique, me semble-t-il, aussi majeur. Donc j'espère qu'il y aura des réflexions quand même un peu de fond. Encore une fois, c'est pas pour le plaisir. Moi, je cherche pas, vous voyez, à ce qu'on me tresse des colliers de fleurs en disant « Ouais, super, t'avais raison », ou l'autre pour dire « Ah, ah, regardez comme vous aviez tort ». Enfin, je m'en contrefiche. Mon honneur et ma fierté sont pas à ce niveau-là, sinon je serais pitoyable. Bon, c'est pas ça. C'est pour le futur. C'est pour le futur. Je veux dire, la disparition de l'esprit critique est quand même gravissime. Absolument, me semble-t-il, gravissime. Et la façon dont les gens qui ont du pouvoir d'informer, de la connaissance, parce que j'inclus dedans aussi une critique de mon propre milieu professionnel, hein, je veux dire, les universitaires, les scientifiques ont quand même été globalement très peu audibles, et pour la plupart d'entre eux, d'un conformisme aussi affligeant. Et là aussi, même pas capable de chercher le débat contradictoire. Je dis bien chercher, c'est pas un truc qu'on devrait subir, il faudrait le chercher, le provoquer. C'est-à-dire, il peut pas y avoir d'intelligence, fût-ce de compréhension d'une situation de crise, s'il n'y a pas de l'investigation, du débat contradictoire, etc. Or, regardez ce qui se passe, la façon dont les gens se jettent des anathèmes. Je veux dire, je reste sidéré, et encore une fois, intellectuellement, hein, au-delà de la personne, au-delà des émotions, tout ça, c'est peu de choses, c'est pas ça qui compte. Mais quand je fais ma série sur les vaccins lors de l'été 2021, je me doute bien que je vais en prendre dans la figure, je veux que je touche au dieu vaccin. Hein. C'est l'époque où... C'est le monde merveilleux, hein. C'est ce qui me rappelle les premiers dessins animés que je regardais quand j'étais enfant, hein. Je suis de la génération, vous savez, qui a eu le... Vous êtes jeune, Rémi. Je m'entraîne pour faire le vieux con et le vieux sage dans quelques années. Ça marche déjà avec mes étudiants, ça, donc je continue à m'entraîner. C'est un rôle sympa, il faut bien assumer qu'on n'a pas tous les jours 20 ans. Donc je m'entraîne, mais moi, je suis de la génération qui a connu l'arrivée de la télévision. D'accord? Je suis né en mai 68. Et donc la télévision dans tous les foyers, c'est les années 60 en France, hein. Avant ça restait exceptionnel, et donc je regardais mes dessins animés le soir, voilà. Donc il y a plein de moments quand même où j'ai l'impression que c'est un peu, tiens, voici venir l'île aux enfants, hein, le pays merveilleux, tagada tagada. Donc je m'attendais à prendre des coups, évidemment, puisque je venais égratigner cette merveilleuse histoire où le vaccin allait tous nous sauver, amen. Voilà. Bon, mais par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des collègues, qui plus est des collègues sociologues en plus, qui envoient une tribune au journal Le Monde, pas pour discuter, mais pour m'insulter, pour m'insulter, pour me dire que je suis un crétin qui comprend rien à rien, point. Il n'y a pas d'autre argument. D'ailleurs, les gens qui écrivent cette tribune n'ont jamais rien publié sur la question, leur niveau d'information, c'est probablement la lecture de la presse. Donc c'est quoi ce débat où, en fait, on insulte les gens, on essaye de les tuer symboliquement, au fond, hein, de les discréditer, de les tuer symboliquement, sans être en fait capable de discuter sérieusement un seul de leurs arguments, quoi. Donc c'est peut-être ça que les Américains appellent la cancel culture, hein, et qu'on voit beaucoup proliférer sur les réseaux sociaux. Mais vous vous rendez compte, si dans le débat vous lanciez votre émission en disant que vous alliez renforcer la culture, etc., vous vous rendez compte si le milieu scientifique se met à fonctionner comme les réseaux sociaux? C'est la fin des haricots. C'est la fin de tout, quoi, hein, je veux dire. Bon. Justement, sur ce point, est-ce qu'il pourrait peut-être offrir un trait d'union entre le monde politique et le monde médiatique, en tout cas les comportements de ces deux mondes-là au fil de la crise? Je pense à l'argument du livre de Nassim Nicholas Taleb, « Jouer sa peau ». C'est-à-dire un argument que je résume rapidement, hein, et j'invite les spectateurs à lire cet ouvrage vraiment très intéressant. Nassim Nicholas Taleb explique que, à un certain niveau de responsabilité, on arrive, et notamment c'est le cas de beaucoup de gouvernements à travers le monde, on arrive à des prises de décision sur des lois, sur des règles qui ne concernent plus ceux qui prennent ces lois, ceux qui font voter ces lois, ceux qui font voter ces règles. C'est-à-dire qu'on applique un discours, on applique des règles dont on ne subit pas les conséquences. Donc, d'une certaine manière, on ne joue plus sa peau. Par extension, j'ai un peu l'impression d'avoir vu ça, et notamment dans le monde médiatique, des gens qui effectivement se rangeaient du bon côté, ça c'est certain,
et qui était prêt, comme vous le dites, à toutes les insultes, à toutes les attaques, à toutes les tentatives de crucifixion médiatique, si on ose l'expression, en sachant très bien que comme ils sont du bon côté, ils ne risquent rien. Il est beaucoup plus dangereux de vouloir créer le débat, de vouloir réfléchir sur le discours dominant, que d'entretenir aveuglément ce discours dominant. Est-ce qu'on n'est pas dans cette situation-là d'une... Alors, j'aime pas trop le terme élite, parce que ça revêt une réalité qui n'est pas précisément celle-là, mais d'un monde médiatique, d'un monde politique qui s'est vraiment mis dans ce discours dominant en sachant très bien qu'il ne risquait rien, qu'il ne jouait pas sa peau et qu'il était facile d'attaquer ceux qui sortaient du rang et qu'on pouvait dire à peu près n'importe quoi. Et effectivement, on se retrouve dans des situations ubuesques aujourd'hui où, alors je parle beaucoup de Touche pas à mon poste, mais c'est la référence par rapport à ça, avec un Mathieu Delormeau qui va dans les yeux expliquer à un Fabrice Divisio qu'il dit des bêtises sur son métier d'avocat en santé publique, par exemple. On en arrive donc à là. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée-là de gens qui parlent et prennent des décisions sans en subir les conséquences? Je l'inclurais dans un système plus vaste, dans ce que moi je vois de plus en plus comme une espèce de déconnexion entre... alors il y a plusieurs façons de le dire sociologiquement, mais c'est pas la même échelle sociale. Pour le dire de manière la plus simple possible, j'ai souvent l'impression qu'il y a une espèce de déconnexion croissante entre une espèce de bulle que je dirais aujourd'hui politico-médiatico-numérique, hein, qui est un espèce de, donc c'est ça, l'espace public où c'est une lutte d'influence, hein, et que je pense que je trouve de plus en plus déconnecté de ce que j'appellerais volontiers la vraie vie, hein. Alors c'est pareil, ça fait peut-être pas un concept qui a l'air très scientifique. Je me souviens que la première émission, je vous avais parlé vraiment du bon sens. Je crois que je l'avais fait avec, en me disant, je vous préviens, c'est pas a priori une notion très, très scientifique, mais je crois qu'il y a quand même des choses que nous apprend l'expérience de la vie qui sont un peu fondamentales. D'ailleurs, si je pensais pas ça, je serais jamais parti depuis le début dans cette affaire, hein, puisque comme je vous l'avais dit la première fois, ce qui au tout début du début et encore aujourd'hui. Ce qui est le plus choquant pour moi, c'est quelque chose qui est choquant à la fois intellectuellement et moralement, c'est le fait qu'on ait pu dire, c'est le fait qu'on ait pu empêcher les médecins de soigner les gens. Je veux dire, c'est ma première réaction, à la fois donc indissociablement intellectuelle et morale, elle commence là. Si j'avais pas perçu ça, sans doute que je me serais pas lancé, ou en tout cas pas aussi vite et pas aussi fortement dans cette aventure, mais j'ai senti ça avant même de sentir le côté manipulation des industries pharmaceutiques, trafic d'influence, etc., qui est tout à fait énorme, hein, qui est tout à fait énorme. On comprend rien ce qui se passe depuis le début, jusqu'à l'arrivée, évidemment, jusqu'au vaccin, mais depuis le début, si on n'a pas ça. Donc voilà, moi, je l'inclurais dans quelque chose de plus général, qui est cette espèce de déconnexion, hein, entre cette bulle politico-médiatico-numérique et puis la vraie vie. Et oui, c'est sûr que les gens prennent des décisions qu'ils n'ont pas à payer, mais je pense qu'il y en a même, ils s'en rendent même pas compte, parce que tout simplement, ils sont déconnectés de la vraie vie. Voilà. Et je pense que c'est vrai dans tous les métiers que j'évoque. C'est vrai, évidemment, d'une bonne partie de la classe politique, mais je pense que c'est vrai aussi de beaucoup de journalistes qui passent d'un bureau à un restaurant, à un domicile, d'un restaurant à un bureau, à un domicile. Ne serait-ce qu'un petit reportage de terrain, c'est des trucs qu'ils ont pas fait ou jamais fait. Enfin bon voilà, il y a une déconnexion, vous voyez, du terrain, de la vraie vie, etc. Et ça c'est terrible. Si les journalistes avaient fait beaucoup plus de reportages, mais vraiment partant du bas plutôt que de répéter le communiqué de presse du machin tout en haut, en allant voir au quotidien, en suivant tel hôpital à tel endroit avec quelques reportages, tel truc, etc. Quand on fait ça, évidemment, ça donne des résultats différents. Et du coup, ça nourrit le débat. Je vous prends un exemple de ça et ça va le raccorder à ce que vous disiez au début de votre question. Vous évoquiez tout à l'heure, à très juste titre, la question de la dramatisation ou pas des dégâts, de la mortalité en particulier causée par l'épidémie. Et il y a effectivement beaucoup de pays où on commence à relativiser ce qui, pendant l'épidémie, a été matraqué tout le temps. Hein, c'est on comptait les morts supposés être morts du Covid et puis on les comptait même plus par année, on les cumulait. Pour dire, il y en a, alors en France, le cap des 100 000, 120 000, et puis dans le monde, 1 million, 2 millions, 3 millions, etc. Voilà. Il y a beaucoup de pays, je l'ai signalé dans plusieurs articles, c'est déjà vrai à ma connaissance, puis il y en a forcément d'autres, hein, mais déjà en Italie, en Espagne et en Angleterre, et il y en a forcément d'autres. C'est-à-dire des pays où on a commencé dans le débat public à discuter la différence qu'il y a entre être mort du Covid
ou être mort avec le Covid. Et on a commencé donc partant du constat que la mortalité, en réalité, c'est pas du tout et ça n'a jamais été un virus qui menace l'humanité entière, contrairement à ce qu'on racontait un certain nombre de gens au début, hein, y compris donc le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, hein, un ennemi mortel de l'humanité. C'est pas vrai du tout. Hein. Fondamentalement, c'est une pandémie gériatrique, si on veut, comme a dit un jour le professeur Jean-François Toussaint. Au sens où la moyenne d'âge des gens qui meurent, c'est quelque part autour de 84-85 ans, hein, si on inclut les EHPAD, etc. C'est-à-dire que c'est supérieur à l'espérance de vie, même. Bon. C'est pas un virus dangereux pour l'humanité, c'est pas vrai. Et dans la mesure où le deuxième facteur, qui souvent se cumule, ce qui s'appelle en langage Santé publique France les comorbidités, c'est-à-dire que les gens sont déjà malades d'autre chose. Donc, traduction concrète, j'ai 80 ans, je suis en phase terminale de cancer, j'arrive à l'hôpital et en plus, au dernier moment chez moi ou à l'hôpital, en maladie nosocomiale, j'ai chopé le Covid, on me fait un test, je meurs, bim, je suis étiqueté, sur le tampon c'est mort Covid. Bah non en fait, ce monsieur ou cette dame n'est pas mort du Covid. Voilà. Donc ça c'est un débat qu'on commence à avoir dans pas mal de pays, pas en France. Vous voyez, quand je vous disais, à mon avis, en France, ça va prendre plus de temps, ça va être plus compliqué, pour un certain nombre de raisons, dont celles qu'on a dites. Mais voilà, donc ça va... Alors, je me souviens plus maintenant pourquoi je prenais cet exemple. Oui, c'était pour dire, excusez-moi, je termine avec ça, c'était pour dire que j'ai vu une seule fois, je le signale dans un des articles de ce qui sera donc le tome 2 du livre, hein, le très gros article que j'ai fait qui s'appelait « L'inquiétant déclin du journalisme en France » ou un truc comme ça. Mmh. Où je dis, il y a quelques contre-exemples, malheureusement, qu'on compte sur les données mains, hein, mais par exemple, le journal Nice Matin, hein, c'est pas là qu'on attendrait a priori de l'investigation indépendante, hein, dans les représentations ordinaires, ben, le journal Nice Matin a une journaliste spécialiste des questions de santé, qui elle a pris le parti de faire du reportage local, comme c'est la mission de ce journal d'ailleurs, donc de suivre les quelques hôpitaux français, les chefs de service, de se renseigner, de taper à la porte, etc. Et c'est donc la seule à ma connaissance qui a soulevé comme journaliste officiel dans un média officiel mainstream comme on dit, c'est la seule qui a soulevé cette question en disant tiens, je constate qu'il y a une discordance entre ce que dit l'hôpital local et ce que dit l'agence régionale de santé qu'on retrouve dans Santé publique France au final. Il y a une discordance. Voilà. C'est un peu la base quand même. On est obligé de citer en exemple ce qui devrait être ordinaire en fait. Oui, absolument. Et puis pour nourrir la réflexion avant d'aller vers une autre question, c'est vrai que on pense aussi à ce qui est intéressant. Et sur Juste Milieu, on s'en amuse dans les vidéos, mais on a vu quand même un décalage assez sidérant dans le traitement qui a été fait entre ceux qui ont osé débattre. Alors là, c'est pour ça que j'appelle vraiment les spectateurs à questionner leurs convictions, mais finalement, la question n'est plus là. La question n'est plus de savoir si on est pro-vax, anti-vax, pro-pass, anti-pass. C'est juste de regarder avec des yeux les plus lucides possibles ce qui s'est passé. Et si on voit, par exemple, le traitement dont vous avez fait preuve, le traitement dans un autre domaine, dont le professeur Raoult a fait preuve, toutes ces personnes qui ont osé aller questionner un petit peu ce qui se passait, on a vu une diatribe qui s'est vraiment perpétuée mois après mois, bientôt ça fera plusieurs années d'ailleurs, et pendant ce temps, on n'a plus de nouvelles des journalistes de BFM TV qui avaient été attrapés dans un restaurant clandestin à l'époque du confinement. Le Canard Enchaîné avait mené une enquête, Marc-Olivier Fogiel avait été attrapé vraiment les mains dans le pot de confiture dans une situation dont Netflix pourra s'en inspirer pour faire une série comique parce que le Canard Enchaîné avait appelé un restaurant clandestin en se faisant passer pour un client, en demandant à parler à Marc-Olivier Fogiel, et la gérante du restaurant, toute gentille, a appelé Marc-Olivier Fogiel, qui a répondu, preuve qu'il était bien dans ce restaurant. Enfin voilà, une situation ubuesque. On n'a plus de nouvelles de ces journalistes-là, et pourtant, dans le lot, il y en avait certains qui, juste après leur savoureux repas, sont allés sur le plateau expliquer aux gens qu'ils allaient mourir s'ils ne respectaient pas les règles. Et combien on a vu de cas comme ça ? Emmanuel Macron, le fameux dîner de travail avec des fruits de mer et une dizaine de cadres du gouvernement, Macron qui ensuite derrière a été testé positif, enfin, rappelons-nous de tout ça pour bien comprendre qu'effectivement cette crise n'est pas que sanitaire et qu'on a aussi une gestion médiatique qui est plus que curieuse. Oui, tout à fait, mais ça illustre très bien l'idée que vous aviez dans votre question précédente, hein, les gens qui disent des choses qui sont sans conséquences en fait pour eux. Donc ça existe. Vous avez raison. Mais ce qui est le plus terrible encore à mes yeux que cette forme d'hypocrisie qu'ont un certain nombre de gens privilégiés
qui sont comme ça déconnectés. Ce qui est plus terrible encore, c'est que c'est comment ils se sont volontairement soumis à la propagande. Vous venez de citer Marc-Olivier Fogiel. Je connais pas grand-chose aux médias, franchement, je m'y intéresse pas énormément, sauf quand je travaille dessus en tant que sociologue. Sinon, en tant que personne, je pratique très peu. Donc c'est après coup que je découvre et machin. Mais vous me parlez de François-Yves. Ben écoutez, moi je le cite à un moment donné dans mon bouquin, page 102, lorsque il déclare, mais au tout début, hein, c'est un article qui date de Ouest France, 17 mai 2020. Ok, interview de Marc-Olivier Fogiel en tant que directeur général de la chaîne de télévision d'information continue BFM TV, et qui déclare, donc dans cet entretien à Ouest France, qu'au début on parle de sa chaîne, il constate une audience historique, dit-il, hein, depuis cette crise, et il déclare, je cite, deux points ouvrez les guillemets, j'ai travaillé au tout début avec l'APHP, hein, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, et avec les médecins référents du conseil scientifique. Nous avons établi une liste de médecins estampillés les meilleurs par spécialité, et c'est à chaque fois vers eux qu'on s'est tourné. C'est-à-dire que non seulement les journalistes ont leur donné l'information, le contenu, mais on leur envoyait aussi l'expert qui allait bien valider et faire passer le contenu. Les deux étaient envoyés par le pouvoir politique. Et les journalistes disaient, mais oui, c'est formidable. Bravo, monsieur le professeur, extraordinaire. C'est ça quand on dit qu'il y a un problème. C'est ça, précisément, la chose. Alors là, l'élément est précieux, parce que c'est vrai que j'étais complètement passé à côté de cette interview. Alors, merci beaucoup, Charles-Laurent Mukeli. Vraiment, effectivement, oui, c'est très éclairant et on est absolument dans la ligne de ce qu'on dit. Et pour continuer à creuser cette question, pour continuer vraiment à aller décortiquer la crise que nous sommes en train de traverser, sur l'aspect plus psychologique, alors ça aussi, on voit que c'est une question qui tout doucement est en train d'arriver. On parle des taux de suicide qui explosent chez les plus jeunes, on parle des maladies psychologiques, des troubles psychologiques qui explosent également à peu près dans toutes les classes d'âge. Aujourd'hui, quels sont les impacts que l'on va pouvoir malheureusement retrouver dans les mois à venir, dans les années à venir, sur notre société et aussi sur la question de l'évolution de la violence? Parce que, mine de rien, c'est là où on parlait tout à l'heure d'une crise qui n'était pas seulement sanitaire. En parallèle, on a vu un dispositif légal, un dispositif de surveillance, des dispositifs de surveillance qui ont été extrêmement musclés. Alors, bien sûr, le QR code qui est au centre de tous les débats, mais encore récemment, c'était l'autorisation, par contre, par exemple, des drones, une surveillance policière qui s'est renforcée, une surveillance électronique également. Est-ce que cela est lié? Est-ce que c'est un développement du progrès? Comment vous abordez cette question-là? Alors, c'est encore une très, très grosse question. C'est la question, finalement, du bilan. Et qui plus est, des différents perspectives historiques qu'on donne à ce bilan. Il y a le court terme, il y a le moyen terme, il y a le long terme. Bon, sur lequel on ne peut évidemment faire que des hypothèses. Sur le court terme, et je termine en préambule en disant que le drame de l'histoire, c'est que, évidemment, on n'est toujours pas arrivé à l'étape où on se dit, allez, il faut faire le bilan. On le disait au tout début de cette émission d'ailleurs, hein, le côté toujours tout droit, machin, bidule. Donc il n'y a pas de moment réflexif, on s'arrête pas, on fait pas le bilan, on n'évalue pas. Mais c'est une tendance que là aussi que je retrouve de choses que j'ai déjà vues avant sur la sécurité. Hein. On empile par exemple les lois de lutte contre le terrorisme. Parce qu'en fait, c'est devenu la façon commode pour le pouvoir politique de montrer qu'il fait quelque chose. Il y a eu un gros attentat, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Vite, une nouvelle loi. Bah, c'est tellement facile. Non, c'est tellement facile, en fait. Et ça permet de dire, j'ai fait quelque chose. Voilà, bon. Donc, on empile les lois, les unes sur les autres, les unes sur les autres, les unes sur les autres. Moi, je n'ai jamais vu un bilan, pas 10 lignes de slogan dans un discours, hein. Une étude, un bilan, commandité par les ministères, avec des chercheurs qui travaillent, etc. On fait le bilan de qu'est-ce que ça, les fois d'avant, déjà, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Avant d'en remettre une couche sans même savoir si ce qu'on a mis dessous tient la route ou pas, si tout va pas péter ensemble ou enfin, je sais pas. Bon voilà, on n'est pas. Il y a un problème. Je l'avais dit dans mon livre sur la vidéosurveillance. Comme quoi, je suis pas devenu tout fou. Hein, tout ça, des liens avec ce que je fais depuis toujours. J'essaie d'articuler les connaissances pour avancer globalement dans ma compréhension du monde. Mais j'avais montré ça déjà sur la vidéosurveillance. C'est exactement le même processus. Il y a vraiment un défaut de culture de l'évaluation des politiques publiques en France. C'est un vrai souci. J'avais montré ça sur la vidéosurveillance. Quand les Anglais,
dont on s'était inspiré. Hein. La vidéosurveillance, bon, ça a une longue histoire, mais c'est un truc qui devient une politique massive avec l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, puisque ça, c'est son argument, il n'a pas d'autre, sur la sécurité. Bon, forcément, il avait été ministre de l'Intérieur avant, il ne pouvait pas dire que le prédécesseur était un imbécile, puisque c'était lui. Voilà, donc il fallait amener un truc nouveau, la technologie, et on va y revenir. Je n'oublie pas votre question et la fin sur le mot surveillance, hein, on va y venir. Ben, j'essaie de pas perdre mes neurones en cours de route. Mais j'avais déjà montré ça. Les Anglais, quand ils lancent ça, parce qu'on s'est inspiré, Sarkozy s'est inspiré de John Major, si vous voulez. Quand les Anglais lancent ça comme un programme officiel du Home Office, le ministère de l'Intérieur britannique, dans le budget et la mise en place du programme, il y a la ligne évaluation par des universitaires. On met aussi de l'argent dès le début, parce que un sou, c'est un sou, et que si on tente un truc, on veut quand même avoir un peu de retour. Là, en France, on n'a pas ça. Et c'est pas moi qui le dis. La Cour des comptes le dit à sa façon très très régulièrement, puisque c'est la seule institution qui, au fond, se charge de ça, hein, de la manière très juridique, administrative, qu'on sait, très parcellisée, etc. Mais c'est absolument aussi, en fait, le job des universitaires en sciences sociales. C'est fondamental de faire de l'évaluation des politiques publiques. C'est tout à fait important et tout à fait essentiel. Donc non, il y a pas en France ce côté-là. Alors pourtant, ils sont évidemment très nombreux et ils sont dans tous les domaines. Donc je ne peux qu'être superficiel rapidement, mais bon, qu'est-ce qu'on a repéré ? On a repéré déjà, bien entendu, des conséquences, parce que ça c'est du court terme, les conséquences psychologiques. Dire, c'est pas le confinement en soi, c'est l'ensemble des discours, c'est l'ensemble des dispositions de l'état émotionnel des gens. Fondamentalement, on a effrayé la population depuis 2 ans, bientôt, on les a effrayés. Hein. C'est pour ça que les gens sont soumis, que ça marche si bien. C'est aussi parce que le propre de l'humain, c'est d'être très conformiste, de marcher en groupe, mais c'est aussi parce qu'en plus, si en plus on l'effraye, donc là, on est sûr que tout le monde marche en rempart deux, en serrant la main et qu'il n'y a pas une tête qui dépasse, bien sûr. Bon. Donc, ça a des conséquences psychologiques, bien entendu. Tous les gens qui sont un peu plus fragiles que d'autres sont du coup beaucoup plus sensibles. Les enfants, les adolescents sont très sensibles à ce qui se passe chez les adultes, les personnes âgées, les personnes isolées de manière générale. Et je rappelle qu'en France, quand même, il y a presque 4 personnes sur 10 qui vivent seules, hein, que ce soit des jeunes ou des vieux, etc. Bon, donc il y a des conséquences. Alors, on en a plein de petites choses qui commencent. Par exemple, nous-mêmes à l'université, il y a eu des enquêtes sur les étudiants. Qui ont bien sûr montré l'aggravation très forte des états anxieux, des états dépressifs, des tentatives de suicide, des idées suicidaires, des conséquences que ça a sur l'ensemble du bien-être physique et mental. De même, par ailleurs, qu'on sait que ça sur un autre plan, le plan social et socio-économique, on sait que ça a accru encore la pauvreté des plus pauvres, hein, la crise. Ça a à la fois exacerbé la richesse des plus riches, hein, le nombre de gens qui sont devenus milliardaires grâce au Covid, dans plein de domaines, hein, pas que le vaccin, il y a plein de domaines, ça aussi, il faudra faire un bilan économique global. Et puis, par exemple, il y a des éléments dans le rapport d'Oxfam qui est sorti il y a une quinzaine de jours, là. Et puis, tout en bas, au contraire de l'échelle sociale, hein, il y a des gens qui étaient déjà en situation de précarité, qui sont encore plus, voilà. Donc ça, c'est des choses qui se voient tout de suite, je dirais, ou presque. Vous voyez, des gens qui vont faire la queue pour la soupe populaire, vous les voyez tout de suite. Des gens qui ont des idées suicidaires, vous vous en rendez compte assez vite. Après, il y a des choses qui vont prendre plus de temps. Moi, je fais partie des gens qui ont été très inquiets de l'effet des 2 premiers confinements sur la scolarité d'une partie des enfants. Il y a eu, ça a évidemment amplifié des phénomènes de décrochage scolaire. Et ça, ce sont des choses qui, enfin, je veux dire, quand on bousille sa scolarité, c'est pour toute sa vie, dans la plupart des cas. Hein. Donc ça, et toujours pareil, c'est les plus fragiles, ceux qui étaient déjà en difficulté, qui se retrouvent encore plus, etc. Bon. Donc ça, ce sont des effets qui, de très long terme. Il y en a dans plein d'autres domaines. Je pense qu'on est très, très loin. On n'a pas non plus encore pensé, reconnu, dit, mis sur la table les effets proprement économiques et financiers. Je veux dire, la société a été sous cloche et tenue par l'endettement massif parce qu'il fallait payer le chômage partiel à tous les gens qu'on mettait au chômage. Hein. Et donc la France s'est massivement endettée. Donc je vois, il y a quelques personnes évidemment, hein, il faut suivre 2-3 économistes, mais dans le débat public, comme grand débat de fond, discours politique, journaliste, machin, vous avez entendu, vous, des gens nous parler des conséquences de l'accroissement extrêmement important de la dette, des éléments d'éventuelles crises économiques qui surviendraient, de l'inflation, des pénuries qu'on commence à voir dans certains domaines sur des matières premières ou parfois transformées. Personne ne parle jamais de ça. Incroyable. Dans la vraie vie, je peux vous dire qu'il y a des choses dont on se rend compte, hein.
le gars qui roule en voiture, et c'est mon cas, qui remplit sa pompe, il voit l'évolution du prix de l'essence. Le gars qui fait du sport, c'est mon cas, il voit que le prix des balles de tennis, parce qu'il y a du caoutchouc qui paraît-il, moi j'en savais rien, hein, c'est quand je l'ai acheté, je lui dis, vous êtes sûr, c'est 10 euros votre boîte, c'était pas plutôt 6,80 avant? Ben oui monsieur, c'est pas nous, hein, c'est le même. Bref, jamais on en parle non plus, voilà. Donc c'est un terrain en friche. Un terrain en friche, toutes les conséquences qu'il va y avoir. Et puis, alors, il y a encore un autre versant, celui que vous avez évoqué dans votre question, donc j'oublie pas, j'y viens, le versant politique, démocratique, policier, judiciaire. Un des mots-clés que vous avez prononcé, c'est le mot « surveillance ». Je veux dire, outre ce qu'on disait tout à l'heure sur le fonctionnement de la Ve République, l'insuffisance grave de séparation des pouvoirs et l'insuffisance grave de contre-pouvoir, hein, alors que la bonne santé d'une démocratie, elle est là, elle est dans la séparation des pouvoirs, l'existence de contre-pouvoirs. Non seulement il y a ça, mais au contraire, on a vu se renforcer une société de contrôle, une société de flicage, disons les choses, hein, de flicage à la fois humain, c'était l'attestation sous menace d'amende, hein, du confinement, mais de plus en plus, évidemment, de flicage électronique, hein, de plus en plus. Je veux dire, nous sommes sous la dépendance d'un pass sur un téléphone. Dès que les Parisiens ont fait un mouvement en mars, vous savez quand même que tout le monde savait où ils étaient allés, puisque donc le gouvernement n'avait qu'à passer un coup de fil à Orange et puis il savait exactement qui était où et qui machin, puisque les bandes téléphoniques géolocalisent tout le monde. Et puis on a vu apparaître des détecteurs de chaleur qui vous disent si à l'entrée vous bipez ou pas ou d'un machin. Et puis on a vu un usage sauvage des drones. Qui ont en toute illégalité, il a fallu attendre là, je crois de mémoire que c'était le 18 janvier, après 4 tentatives du gouvernement, le Conseil constitutionnel a cédé. Bon, on sait bien que c'est pas un grand lieu de résistance, hein, le Conseil constitutionnel, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça y est, on peut aussi généraliser l'usage des drones. On va nous ressortir dans pas longtemps la reconnaissance faciale, machin bidule, etc. Je veux dire. C'est quoi le stade d'après, hein? Alors quand on dit, ah, il y a des gens qui pensent même implanter des puces électroniques un jour sous la peau des gens, on dit, oh, c'est de la science-fiction. Bah, je sais pas, hein, ça pose question. Cette accélération extrêmement importante des technologies de contrôle des corps et des esprits, hein, indissociablement, ça pose question. Les atteintes à la liberté, les atteintes à la confidentialité des données privées, y compris bien sûr les données de santé. Le fait qu'on se passe du consentement libre et éclairé des gens, les problèmes, enfin, je veux dire, l'effondrement éthique qu'il y a derrière un certain nombre de choses, le fait qu'on voit des médecins ou des professeurs de médecine sur un plateau de télévision qui puissent dire que le consentement libre et éclairé, c'est pas le problème, qui puissent dire que s'il y avait des gens non vaccinés qui se présentaient, ils les soigneraient pas, c'est un effondrement moral et éthique. C'est incroyable. Voilà. Donc c'est évidemment si ce genre de repères fondamentaux. C'est pour ça que j'y insiste. Hein, mon travail, il est pas uniquement scientifique au sens de la description technique comment ça marche. Ce qui est le métier numéro un, bien sûr, hein, du chercheur dans tous les domaines. Expliquer comment ça marche. Bon, c'est vrai d'un physicien, d'un biologiste, d'un sociologue. Je le décris, machin. Bon, mais bien sûr. Nous sommes des humains qui parlons de la société humaine et nous ne sommes pas des ordinateurs ni un peu plus évolués que des fourmis. Et il y a aussi donc des enjeux fondamentaux d'éthique et des points de repère moraux qui sont la définition même de l'humanité en réalité. C'est la définition même de l'humanité, hein, voilà. Donc moi je suis très inquiet de ça, voilà, d'un certain nombre de digues éthiques, morales qui sautent. Voilà, m'inquiète beaucoup. Alors, dernière digue, et ce sera la dernière question de cet échange, cher Laurent Mucchielli. C'est vrai que là, on finit pas sur une note d'espoir comme on a pu le commencer, commencer cet entretien, mais c'est vrai que dernière digue, qui aujourd'hui s'approche un petit peu plus chaque jour, celle des élections, donc pilier parmi les piliers de notre démocratie. Est-ce que là aussi, vous voyez venir le danger, alors un danger qui peut prendre des formes différentes, hein. On nous parle déjà depuis quelques mois de vote électronique, de vote à distance, on nous parle même de la bonne tenue des élections, hein. Le Journal du Dimanche, il y a environ un mois,
avait fait un petit encadré en disant « Est-ce que Emmanuel Macron peut décaler la tenue des élections présidentielles ?» Et on apprenait que oui, il le peut, il y a jusqu'environ fin février, mi-mars, quelque chose comme ça, pour mettre en place, enfin, pour faire voter une loi constitutionnelle. Tout ça est encore possible, tout ça est encore envisageable. On apprenait par France Info, c'était pas plus tard que ce week-end, que Emmanuel Macron ne souhaitait même pas participer au débat du premier tour. Alors, il n'est pas encore officiellement candidat, mais dans l'hypothèse où, ça donne déjà un indicateur assez curieux de la vision de la démocratie qui est celle d'Emmanuel Macron, visiblement. Est-ce que, d'après vous, cette ultime digue pourrait aussi sauter ? Est-ce qu'il faut être prudent ? Ou est-ce que nous avons encore des garde-fous qui nous permettraient de garder un petit peu confiance ? Alors, je ne ferai pas de commentaire sur la vie politique elle-même, évidemment. D'autant que je m'y intéresse pas assez d'ailleurs pour ça. Ce qui m'inquiète à ce niveau-là, la première, c'est que je puisse entendre de temps en temps une voix ou une voix ici ou là dire tiens et si ces élections étaient reportées, etc. Qu'on commence à remettre en question des choses aussi fondamentales que ça. J'espère bien que c'est juste impossible ou que les gens se lèveraient tous pour crier au scandale. Enfin, l'ensemble des élus, quelle que soit leur couleur politique, hein, je veux dire, si on continuait comme ça à piétiner les institutions et autant les institutions que l'esprit des institutions républicaines. Et puis alors, je serais également très inquiet lorsque j'entends d'autres petites voix qui disent, oh, mais c'est pas grave, la solution, c'est le vote électronique, donc même virus, même machin. Non, il n'y a rien à reporter, finalement, on va faire aussi puisqu'on fait du télétravail, puisqu'on fait tout en visioconférence, puisqu'on se voit plus, on se parle plus, on se touche plus, machin, on n'a qu'à faire aussi du vote électronique, et puis voilà, hein, enfin, au stade d'après, c'est, on se fera greffer l'ordi dans la tête, enfin, c'est bon. Donc, ça me paraîtrait désastreux, parce que, illustrant, comment dire, ce qu'on appelle parfois le techno-solutionnisme, vous savez, hein, c'est cette espèce de croyance qui est évidemment au cœur de ce qui reste de dimension un peu imaginaire un peu générale, je vais pas dire métaphysique parce qu'il n'y a pas de métaphysique là-dedans, mais voilà, un peu de croyance, un peu de mythe, etc. de nos sociétés, c'est la technologie en fait, c'est le mythe du progrès par la technologie. Bon. Et ça, c'est un gros souci. Je le discute un peu à la fin de mon livre déjà sur la vidéosurveillance. Forcément, ici à nouveau avec le Covid, puisqu'on nous a présenté la technologie du vaccin comme le sauveur de l'humanité. Ça m'inquiéterait beaucoup pour deux raisons. La première, elle est très générale. La technologie n'a pas d'intention. Elle est ni bonne ni mauvaise. La technologie, c'est mort. C'est un objet froid, matériel, inanimé. Tout est dans l'usage que nous en faisons. Bon. Donc une technologie peut faire progresser au fond la vie des humains ou ne rien faire ou même au contraire faire du mal à la vie des humains. Bon voilà, mais selon comment elle est manipulée et par qui elle est manipulée. Donc déjà l'idée que en soi c'est forcément un progrès si machin, pour moi c'est une idée de neuneux ça. Voilà, j'en vois beaucoup hein, toute la journée partout. Oh, ça, tel truc, c'est merveilleux machin, avec des gens qui ont 30 ans, un beau costume cravate et bon, moi j'estime que ce sont des gamins, hein, vraiment des gamins. Donc non, la technologie n'est pas en soi ceci ou cela. C'est pas forcément un progrès que notre maison soit connectée, qu'il y ait un ordinateur qui nous dise bonjour quand on rentre chez nous, ou j'ai besoin de me faire une prise de sang quand je monte dans ma voiture. Enfin voilà, ça me paraît pas du tout forcément un progrès tout ça. Et j'espère bien ne jamais voir ça de mon vivant. Donc la première raison c'est ça, c'est cette croyance magique dont il faut se débarrasser. Une technologie ça se pense, ça s'apprivoise, ça doit être véritablement au service des humains. Ça doit être le but fondamental, et pas de faire plaisir à un tel, de faire gagner de l'argent à un tel, de résoudre les petits problèmes d'un tel, pas du tout, en aucun cas. Donc soit on nous démontre que c'est un progrès pour la société, et si c'est pas le cas, terminé, je veux pas en entendre parler. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que je suis pas expert de ça, mais il me semble quand même avoir lu 2-3 trucs montrant qu'il y a des expérimentations qui existent déjà, hein, du vote électronique et depuis un moment, et que c'est pas du tout exempt de fraude, voilà, que c'est pas du tout imperméable à d'autres formes de fraude. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui de manière générale, hein, je veux dire, tout notre vie devient numérique, et on voit bien en même temps que toutes les formes de délinquance, de piraterie, etc., sont devenues extrêmement extrêmement fortes et omniprésentes et quotidiennes en fait, voilà. Donc, si on pouvait se départir un peu de cette naïveté
vis-à-vis des technologies et ce technosolutionnisme pour remettre encore une fois en premier l'humain et comme unique but l'amélioration des conditions de vie des humains. Si la technologie sert pas à ça, alors elle sert à rien. Ça peut être, c'est l'une des conclusions sur cette question. Rendez-vous en tout cas en avril prochain pour les élections présidentielles. D'ici là, il va se passer encore beaucoup de choses parce que là, ça n'a jamais été autant le feu d'artifice avec tout ce qui se passe. En tout cas, cher Laurent Mucchielli, nous sommes ensemble depuis bientôt une heure. Alors, je le rappelle, on peut vous retrouver en librairie. N'hésitez pas, là, il faut aller aider les libraires du coin. On demande aux libraires votre nouveau livre, La Doxa du Covid, le tome 1, Peur, Santé, Corruption et Démocratie. C'est aux éditions. Pas cher. Éolienne, voilà, en plus c'est pas cher, ça fait plaisir. Ça... Voilà, on se fait plaisir, on réfléchit, c'est tout ce qu'on aime, et puis on vous retrouvera sur Juste Milieu pour sûr dans quelques mois pour un nouveau débat en espérant qu'on rira de tout ça et que le temps de l'analyse sera venu, le temps du bilan, on l'espère. Mais voilà, je vous laisse le dernier mot, peut-être ce que vous appelez de vos voeux pour les mois à venir. À vous la conclusion, cher Laurent. Bon, alors c'est le moment où je sais pas trop quoi dire. Je peux dire que mon espérance, que j'espère, voilà, le petit truc que moi j'essaie de faire, ce que j'espère, c'est que donc ce livre, c'est pas la question du nombre de gens qui l'achètent au sens du fric qui m'intéresse du tout, sinon j'aurais fait autre chose sur d'autres sujets depuis longtemps. Mais c'est plutôt que les gens s'en emparent, qu'on puisse faire débat. Voilà, j'espère que, et c'est très compliqué évidemment, puisque comme vous le savez, toujours pareil, avant c'était for security reasons, enfin encore un lien avec ce que je faisais avant. Avant c'était pour raison de sécurité, maintenant c'est pour raison sanitaire. En gros, on peut même plus se réunir à 30 personnes pour discuter dans une salle, quoi. Voilà, si on n'a pas 40 bouteilles de gel hydroalcoolique, 3 ou 4 doses de vaccin, voilà. Donc malgré ce contexte complètement oppressant et étouffant, j'espère qu'on va pouvoir refaire un peu du débat, qui soit encore une fois du vrai débat contradictoire, sans être de l'attaque aux personnes, de l'invective stupide, ce qu'on disait tout à l'heure de la cancel culture, voilà, mais du vrai débat entre citoyens qui peuvent être désaccords, qui n'en demeurent pas moins des citoyens et des frères. Voilà un horizon optimiste. L'optimisme, ça au moins, ce n'est pas une question de dose, ça marche à tous les coups. Donc ça, c'est important. Cher Laurent, merci. Merci beaucoup pour ce nouveau passage sur Juste Milieu. Merci à vous. On arrive au bout de ce nouveau débat du jour, chers amis, chers spectateurs de Juste Milieu. Vous le savez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. On continue, on ricane, on réfléchit. Le rendez-vous est pris. À très bientôt.